Bon, pour ne pas trop changer, je vais vous faire une petite vidéo de mécanique sur un moteur Yamaha. Ici, c'est un 115 chevaux qui date de 2019 et j'ai environ 500 heures, je crois, dessus. Je mettrai en bas si je suis vraiment à côté de la plaque. Et j'ai un petit souci. C'est que j'ai de l'eau qui coule à l'intérieur du moteur. Alors, il fonctionne bien, hein, sans problème, il prend tous ses tours, etc. Mais j'ai une petite fuite d'eau et la fuite, elle se trouve, hop, je vais vous montrer ça, elle se trouve en fait derrière, tout en bas là-bas. Essayez de, ouais, on voit pas grand-chose, si. Donc tout en bas ici, là, j'ai de l'eau qui coule d'ici. Donc, bien sûr, quand le moteur tourne sur le ralenti, ça goûte juste un tout petit peu. Et puis, quand on met de la force dessus, ça coule un petit peu plus. Spécialement quand le moteur est froid, à partir du moment où il commence à chauffer un peu, ça atténue un peu le problème. Donc, je vais voir si je peux faire quelque chose pour ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais évidemment tout déshabiller cette partie-là. Et puis, je vais voir si je peux donc enlever le cache arbre à cam et puis accéder directement aux vis de la culasse. Et puis voir si juste j'ai pas une seule vis qui est un petit peu desserrée et puis qu'on ait la fuite à ce niveau là. Si jamais ça le fait pas, il faudra que je vois si c'est pas mon joint de culasse qui est un petit peu endommagé. Mais j'ai de l'eau qui coule à l'intérieur du capot moteur, mais j'ai pas de l'eau qui passe dans l'huile ni a priori dans les pistons, dans les cylindres, donc c'est pas vraiment catastrophique. Je vais voir donc si c'est du serrage, si c'est le joint, ou alors bah, si c'est ni l'un ni l'autre, et bien si ma culasse n'est pas un peu gauchie. Donc première chose à faire, c'est déshabiller tout ça. Bon, j'ai commencé à déshabiller tout ça, donc les petits caches en plastique. Il y a quelques petites choses à virer, donc les bobines. Là, ben, je les laisse après le faisceau électrique parce que ça va pas me gêner. On a la pompe à essence ici à enlever. Ça, rien de spécial non plus à part le petit joint ici qu'il faut surtout pas perdre parce qu'il va venir se loger là-dedans. J'ai le filtre à essence aussi qui est déconnecté de sur mon cache arbre à cam. J'ai la ventilation d'huile qui est déconnectée. J'ai le tuyau d'eau qui va jusque à l'admission. Enfin, sur ce gros collecteur ici. Et puis, en fait, bah, c'est à peu près tout. Donc maintenant, il me reste juste à défaire tout ça. Alors, si vous voulez être certain de ne pas vous planter dans toutes les vis que vous allez enlever, eh ben, petit truc, laissez-les dessus. Voilà, là, j'ai remis ici, 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 etc. Donc comme ça... bah déjà je vais pas risquer de les mettre dans une petite boîte et puis tout faire tomber, et puis ça évite un petit peu une prise de tête et puis réfléchir à quoi va où, à chercher les longueurs, etc. Maintenant donc enlever le cache arbre. Bon, maintenant que tout ça c'est ouvert, eh ben, il va falloir aller chercher la petite vis qui est là-bas tout au fond. Alors, par chance, c'est celle-là que j'ai besoin de resserrer parce que c'est la seule qui est accessible sans démonter les arbres à cam. Donc, voilà, je vais la mettre en place et puis on va voir à la clé dynamo. Alors, donc clé dynamo réglée sur... Oui. Je vais reprendre mon petit papier. Donc réglé sur 30 Nm ou 3 kg par mètre.
ou alors en pied libre, ce sera 22. Donc ils nous disent de faire une passe à 15 Nm, la deuxième passe à 30 Nm, et normalement il y a une troisième passe en serrant de 90 degrés. Donc là, je règle ma clé dynamo sur mes 30 Nm. Alors, en fait, là, j'ai sur 22 pieds libres, 30 Nm. Donc c'est là. C'est un peu moins facile sur ma clé qui est américaine de régler en Newton mètre que en pieds libres. Donc là, c'est pour ça que j'ai les deux. Là, je vais mettre la caméra en place et puis je vais voir ce que ça donne. Allez, ma douille en place. Et voyons voir. Bon, a priori, mon couple est là puisque ma clé déclenche tout de suite. Je vais voir si je peux y en rajouter un petit peu. Bon, a priori, j'ai pu y en rajouter un peu. On va voir si ça suffit ou si je peux encore. Bon, j'ai réussi à y en rajouter un peu, en espérant que ça suffise. Là, je vais remonter tout ça. Donc, bon, ça prend pas en fait énormément de temps pour démonter tout le cache à bracam, etc. Si jamais j'avais besoin de démonter la culasse, évidemment ça poserait beaucoup plus de soucis parce que faut caler la distribution correctement. Donc là je vais remonter tout ça et puis je vais voir ce que ça donne et puis je vous fais un retour tout de suite. Bon, je viens de tout remonter, de tester ça avec donc une entrée d'eau là sans même mettre le bateau à l'eau. Et là évidemment on voit rien, mais enfin là-bas j'ai quand même encore un petit peu d'eau qui goutte. Donc juste mon petit serrage comme ça, c'est pas efficace, donc il faut tout démonter. Bon, mon petit resserrage n'est pas effectif, je vais être obligé de tout démonter. Alors avant de tout démonter, je vais repérer donc la position de notre comment on appelle ça en français, flywheel, notre volant magnétique, et puis je vais donc aligner ici, on voit là sur les roues d'Arbracam j'ai des repères, donc ça j'aligne sur le volant, j'ai un petit repère juste où c'est mon doigt, juste ici qui est en face l'index là. Et puis en fait, en dessous, sur la petite coupelle, là, j'ai aussi un repère. Donc là, moi, je vais marquer tout ça. En fait, de la même façon que pour changer la courroie de distribution, ça, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur la courroie distrib sur un 100 chevaux. C'est la même chose, hein. Il y a une moustique qui m'attaque déjà. Donc c'est la même chose que sur un 100 chevaux, grosso modo, enfin sur tous les moteurs Yamaha, comme ça, c'est à peu près la même chose. Donc marquage de la courroie pour pas sauter une dent, quoi, ce serait dommage. Et puis déshabillage de tout ça pour sortir la tête et puis voir ce qu'il en est. Bon, alors évidemment pour démonter toute la tête, ça demande un peu plus de sortie de trucs que juste le cache-culasse. Donc là, moi j'ai déjà marqué ma courroie de distribution, donc sur l'arbre à cam d'échappement, sur l'arbre à cam d'admission ici. J'ai aussi marqué de l'autre côté sur le volant, sous le volant moteur, parce que là, hop, donc juste hop, là-dessous, ça impose aussi de sortir tout le collecteur d'admission. Donc là, il est tout juste décalé. J'ai décalé aussi, donc j'ai laissé le corps d'admission en fait sur le collecteur. J'ai juste défait depuis le support
ici. À chaque fois, je remets mes petites vis en place. Ça impose de déconnecter dessous là, la petite biellette qui vient de puis l'accélérateur. Aussi enlever ici donc le tendeur. Le tendeur, il est là. Donc bien faire attention à ne pas perdre la petite rondelle qui est dessous. Là, l'écrou, c'est juste un vieil écrou que j'ai mis en place pour maintenir la vis et la rondelle en place. Histoire de ne pas la perdre. C'est une toute petite rondelle. Ensuite, donc, de ce côté-là, c'est pareil. Hein, donc avec tout le collecteur d'admission, j'ai démonté la rampe d'injecteur. Donc j'ai tout laissé en fait ici à demeure. Tout connecté ensemble, il n'y a pas besoin de défaire tout ça. Hein. Il y a juste besoin d'enlever les deux petites vis qui sont là et puis de sortir la rampe d'injection complète. Donc là, on voit que j'ai la rampe d'injection, j'ai la pompe à essence mécanique, j'ai le filtre à essence. Tout ça, ça reste accroché au collecteur d'admission. De l'autre côté, au niveau de la tête ici, donc on est obligé de déconnecter là les quatre vis qu'on a là qui vient sur l'échappement qui se trouve ici. J'ai une toute petite vis aussi en haut ici. Et puis, je crois que c'est tout. Donc là maintenant, je vais renlever le cache, enlever ma courroie de distribution. Et puis, on accédait directement à ma culasse. Bon, alors, voilà mon cache Arbracam enlevé. Il va falloir donc que je démonte ces Arbracam. On a les paliers qui sont là et ils sont marqués. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 côté admission. Et côté échappement, on a 6... 7, 8, 9 et 10. Et en plus, on a sur nos petits chapeaux, on a des repères de couleurs qui sont là. Donc Yamaha fait bien les choses. Donc on va démonter tout ça et puis pour pouvoir accéder aux vis qui maintiennent la culasse en elle-même. Bon, petite chose, avant de sortir tous les paliers, il faut dévisser la roue dentée sur le dessus, et puis une fois qu'on a enlevé la roue dentée, on a un petit pion de centrage ici, mais il y a deux trous décalés de 180 degrés. Donc je vous conseille quand même de marquer la position du pion au cas où le petit pion il s'enlève, parce qu'il s'enlève assez facilement, et puis que vous alliez pas remonter l'arbre à cam avec 180 degrés de décalage, parce que sinon ça va pas le faire. Mis à part ça, il n'y a rien de spécifique. Là, je mets tout. Je vais mettre mon admission dans une caisse, mon échappement dans une autre caisse. Et puis voilà quoi, histoire de ne pas avoir à rechercher trop quand je vais remonter tout ça. Bon, mes deux arbres à cam sont enlevés. Maintenant, il va falloir enlever les 10 vis de culasse qui sont là avec empreinte Torx. Et c'est du T55. Alors n'essayez pas de faire ça avec une toute petite clé, hein. Il va falloir un petit bras de levier quand même, parce que là c'est serré assez fort. Et quoi d'autre, en sortant la culasse, ce que je vais faire certainement, c'est que je vais sortir toutes mes vis et je vais repositionner ici mes arbres à cam, comme ça mes coupelles ne vont pas se barrer et tout ça va pas se mélanger. Donc avec les arbres à cam en place, ce sera un petit peu plus simple. Bon voilà, une fois qu'on a sorti nos 4 vis de culasse, 10 vis de culasse, 4 vis au niveau du collecteur d'échappement, la petite vis qui se trouve aussi en haut ici, c'est facile, hein, on a juste à tirer l'ensemble et puis ça vient tout seul. Donc là moi j'ai mon joint de culasse qui est là et puis donc ça fuyait juste d'en bas. Donc ce que je vais faire, je vais sortir là, mon joint de culasse, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, voilà, et hop.
Et ce que je vais faire, à partir du moment où mon joint il a pas l'air esquinté, je vais remonter ça. Je vais le nettoyer d'abord et puis après remonter ça avec de la pâte. Donc là, j'ai ma culasse qui se trouve ici. Donc là, on avait mon problème venait de ce côté-là. Et a priori, on voit là que il y avait des petites fuites à ce niveau-là. Donc c'est juste sur un petit passage d'eau. Donc comme je vous disais, si je tourne, là j'ai remis mes arbres à cames en place, juste avec deux paliers, le palier supérieur, le palier inférieur, tout simplement pour que ça maintienne toutes mes coupelles et puis que ce soit pas le bordel et que ça se casse la gueule dans tous les sens. On voit que là, donc le module ici, je l'ai laissé directement sur la culasse. J'ai pas besoin de l'enlever. Hein. Le moins on peut démonter de trucs, le plus facile c'est. Et puis voilà, il me reste du nettoyage à faire, de la culasse, de mon joint de culasse et puis de mon plan sur la partie basse du moteur. Pâte à joint et puis remonter de tout ça. Bon, le plan de joint sur ma partie moteur est nettoyé. Donc ça, si jamais vous voulez savoir comment je fais, allez voir, j'ai fait une vidéo sur le nettoyage des plans de joint, puis le petit outil que j'utilise pour ça. Donc là, bien nettoyer tout ça, bien dégraisser surtout, puisque là je vais venir y mettre de la pâte à joint dessus. Alors, dans mon atelier, là, j'ai préparé la culasse et puis le joint en lui-même. Donc là, je viens de mettre de la pâte sur mon joint en lui-même. J'utilise, ça c'est Ultra Copper, c'est de la pâte à joint spéciale, ça c'est pour haute température et échappement, etc. Donc là, ça devrait faire l'affaire. C'est pas la première fois que je répare des moteurs avec cette pâte-là. Il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Là, ma culasse, elle aussi, elle est nettoyée. On voit encore les marques où le joint touchait, hein, entre les trous. Mais c'est absolument nettoyé. Et là, le but, c'est de vraiment enlever toutes les anciennes traces de joint qui était en place. Alors moi, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est cette partie-là, donc en bas à gauche du cylindre numéro 4, c'est là que j'avais ma fuite d'eau. Et c'est quelque chose qui, surtout sur la partie bas moteur, était assez visible. Donc là, je vais mettre mon joint en place, ma deuxième phase de pâte à joint, puis ensuite remettre la culasse. Mon joint est en place, je lui ai passé de la pâte par-dessus. Avant de mettre ma culasse en place, je vais nettoyer un petit peu tout ce qui est passage sur les côtés, histoire d'enlever la petite le petit surplus qui sera à l'intérieur. Et puis surtout, comme ici par exemple, sur ce petit trou de passage d'huile qui est là. Donc ça, c'est à nettoyer un petit peu, histoire qu'on n'ait pas trop de pâte qui passe à l'intérieur. Quand je vais faire mon serrage, quand je vais mettre ma culasse en place et que je vais faire mon serrage, il y aura toujours un peu de silicone qui va déborder à l'intérieur. C'est pas catastrophique, normalement il y aura assez de pression quand même pour que ça continue de passer. Mais donc, c'est important de dégager quand même tous ces petits orifices. Là, je dégage aussi les orifices de vis. Et puis donc, tout, voilà, comme ici en haut, là, j'ai un tout petit trou ici aussi. Donc ça, c'est pareil. Je nettoie ça et j'enlève la petite crasse qu'il y a à l'intérieur. Donc, à bien nettoyer tout ça. Là, je ne vais pas laisser le temps à mon joint de tirer. Et je vais placer directement la culasse par-dessus. Bon, ma culasse est de nouveau en place. Il me reste plus qu'à serrer ça. Donc j'ai mes 10 vis qui sont remises en place, mes 10 vis principales de culasse, plus les 4 sur le côté, plus la petite qui est derrière. Je vais commencer par faire mon serrage au niveau des 10 vis principales. Donc je commence par le milieu au niveau de l'échappement, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6... en 7, en 8,
en 9, en 10. Donc je vais faire ça avec un premier couple de serrage à 11 pieds livres, soit 15 Nm, et je vais faire un deuxième serrage à 22 pieds livres, soit 30 Nm. Ensuite, Yamaha nous disent qu'il faut faire donc 90 degrés sur chaque vis. Et il nous donne un couple de serrage de référence seulement, donc qu'il ne faut pas respecter. C'est un couple qui sera maximal, qui sera à 70 Nm, soit 51 pieds libres. Je lis en même temps sur ma petite, mon petit pense-bête. Voilà, allez, serrage. Donc, trois passes, je vais faire. Et puis après, je pourrais remettre les arbres à cam dessus. Je remets mon arbre à cam en place. Là, je vais commencer par celui d'échappement. Et avant de faire le serrage des paliers, je vais bien penser à remettre donc mon petit pion déjà qui est là pour indexer ma roue crantée au bon endroit et remettre ma roue crantée bien aligné avec mes repères que j'ai fait tout à l'heure, parce qu'à l'intérieur du bloc j'ai deux pistons qui sont en haut et il faudrait pas qu'on soit complètement décalé au niveau de la roue dentée et puis que quand on vienne serrer les paliers en fait on vienne appuyer des soupapes sur le piston. Donc important d'aligner la roue avant de faire le serrage de mes paliers. Le serrage des paliers, Yamaha nous préconise 5,8 pieds libres, soit 8 Nm pour une première passe, 17 Nm pour la deuxième passe, soit 12 pieds libres. Et on commence par le cylindre numéro 3. Je vous rappelle que le cylindre numéro 1, il est en haut, donc 1, 2, 3. Au niveau de 3, de l'intérieur, et ce sera... Je vais essayer de me reculer un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur l'arbre à cam d'admission, on commencera par contre par le cylindre numéro 2. Arbre à cam d'admission en place. Donc là, on commence par le cylindre, donc le palier qui est au niveau du cylindre numéro 3. Donc intérieur, on fait 1, 2, on va tout en bas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, mes deux arbres à cam sont en place, mes deux roues en haut sont en place aussi. Je vais serrer les vis ici simplement quand j'aurai tout en place, donc je veux dire la courroie de distribution, parce que sinon là bah, je vais j'ai pas de force et puis je peux pas bien le serrer comme il faut. Donc là il me reste plus qu'à remonter l'ensemble, donc recaler la distribution, remettre le galet tendeur, remettre le cache arbre à cam qui se trouve ici, reconnecter tous les petits accessoires qui sont autour et puis le tour sera joué. Bon, enlever la culasse comme ça, c'est pas quelque chose qui est très très compliqué. Bon, ça demande un minimum en fait d'outils. Il va vous falloir quand même une clé Torx qui est adaptée aux vis qui sont aux vis de culasse bien sûr, et puis une clé dynamométrique qui va dans la plage de réglage dont vous avez besoin. Après, grosso modo, c'est tout quoi. Ça demande un petit peu de minutie, de la pâte à joint bien sûr, et puis c'est tout. Donc là en fait je vais pouvoir réparer cette fuite d'eau qui se trouvait ici pour que dalle quoi, juste le prix de la pâte à joint et puis le travail que j'ai fait dessus. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous sera utile et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.